fait, si vous voulez, je m'intéresse beaucoup à interroger les nouvelles technologies dans la pratique artistique. Et je suis en fait trop influencé par ce qui se passe autour de moi. Quand on est dans une espèce de crise actuelle qui fait que tout le monde est censé développer son intelligence dans ce sens-là. En fait, on fait partie d'une génération hyper familiarisée avec les nouvelles technologies, avec l'art contemporain en général. Donc, tu ne peux pas faire du classique en 2013. C'est possible, là il y a des peintures numériques parce que. Il y a de la forme, il y a la couleur, on est dans la peinture, mais d'une autre manière. L'artiste en général est là pour basculer les choses, pour les remettre en question. Effectivement, le public est relativement gêné lorsqu'il n'y a pas de la peinture, mais il faut passer à autre chose. L'art est un territoire d'expérimentation et de réflexion pour des métiers, pour l'homme, je veux dire de façon générale. Donc, métier, fabrication. Enfin, je veux dire, c'est un territoire d'expérimentation totale. Donc, le choc entre les différentes interprétations sont là, c'est clair. Je pense que ce qui est intéressant, c'est l'aboutissement de cette réflexion-là.